Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bien le bonsoir. Désolé pour le son un peu dégueulasse que vous avez sûrement dû entendre. Je sais pas ce qui s'est passé, on va dire que c'est ma faute. Je baisse un peu le son parce que je pense que vous avez le son un peu trop fort. Et c'est pas tout. Bref. Bref. Re-SBK, et comme... les beats, bientôt. Bientôt les beats, ne t'inquiète pas, bientôt les beats. Je recharge juste une dernière fois pour être sûr et certain. C'est parfait. Et on va se tester on va tester la démo de Dragon Quest Builder. On va attendre juste 2-3 minutes avant que les gens arrivent. Car j'avais dit 21h30, il est 21h29, les gens ont encore une minute afin d'arriver. Voilà, voilà, pendant que la musique, ça fait 4 fois qu'on la réécoute, et ça quand même c'est bien. Et ça c'est vachement bien. Si le son est trop fort ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, c'est important. Oui, il y a une démo du GameU qui est sortie aujourd'hui, du coup je me suis dit que c'était le moment de vous la présenter. Sachant que j'avais absolument envie de jouer au jeu. Ah là là là. Voilà, voilà. Et si ça se trouve, toute la planète y joue. Alors attendez, en fait c'est simple, toute la planète doit y jouer. Ah non, s'il te plaît, dis-moi pas ça, je t'en supplie. Dis-moi pas ça. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est bon. J'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un souci, mais non, il n'y a pas eu de souci. Allez, j'appuie sur démarrer, on y va. Ah, la musique change et ça fait plaisir parce que si on avait marre d'entendre toujours la même. Ah, et bah écoute, ça fait plaisir, chérie. Comme ça, tu vas pouvoir y jouer. Le son est trop fort, Core Diamant. Voilà. Faut me le dire. Je baisse le son. Hop, je viens de baisser le son. N'hésitez pas à me le redire si le son est trop fort. Alors là, qu'est-ce que j'en sais? Et salut Alex. Donc, paramètres du jeu, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer la musique de fond? Ah non, c'est la... D'accord, ok. Oh, le jeu est en français! C'est normal? Je suis en train de me dire, est-ce que c'est normal que le jeu est en français? C'est pas super normal, non? Ouah, je peux changer mes... le son du jeu était pas assez fort. C'est dommage, du coup. Alors, oh, je vais me faire les cheveux blancs. La peau, bah blanc. Je suis blanc. Je suis vert. Et on va s'appeler Sapin. C'est important. C'est normal, d'accord. Je pensais pas qu'ils allaient le traduire. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Voilà. Une VF intégrale, c'est cool. Moi qui m'attendais à ne rien comprendre en anglais. Eh ben non. Non, c'est un... C'est Dragon Quest Builder. Donc non. Le Builder, normalement, doit te donner un petit indice. Et salut Natacha. Monsieur P. Je ne dirai pas. Ah, j'ai pas lu. Il y avait un truc que j'ai pas lu. C'est pas grave. Donc je ne connais pas l'univers, je ne vais rien comprendre, mais c'est pas grave. Roi des rois, souverain des souverains, j'adore ça. Proche, je viens prendre ma peau. Oui. Il est méchant? Il a l'air d'être méchant, lui, quand même. Hein. Non. Ah, je peux pas choisir, c'est juste un dialogue, genre tu te tais. Oui, c'est le monde, sa vie, ça. Réveille-toi. Oh non! Ah, mais c'est Zelda! C'est Tenshin! Je le savais, c'est Zelda! Ah non, c'est pas Zelda, ça va, je suis pas dans un lit. Dragon Quest. Et cette boule de cristal.
On n'arrive pas à lire? Ah là là, on n'arrive pas à lire. T'as une très grosse tête. Oui, ça arrive d'avoir une très grosse tête. Ou en tout cas, ça arrive aussi de ne pas placer la tête où il le faut sur l'overlay. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez bien fait de me le dire. Allez. Ah! La PS4 commence à souffler! Ça veut dire que... Voilà. Le jeu est là. Alors, te rappelle, tu es, voilà. Je vois, tu n'as aucun souvenir du passé, peu importe, c'est peut-être bien si. Après un silence sommeil, ton corps est sans doute encore très faible, lève-toi, nanana. Ok. Sans transition. On se bouge, le joystick gauche pour vous déplacer et appuyer sur rond pour sauter. Ok. D'accord. Donc tu joues qu'avec le joystick et la croix directionnelle, tu vas fort bien, tout semble aller parfaitement. On me vaut pas assez, monsieur. Entre deux visionnaires et un. Ah, des bisous Barberou, c'est merci de m'avoir. Oula! Oh la caméra! Oh non, la caméra! La caméra va avoir des problèmes. Je le sais, je le sens. Elle vient de me le dire. Elle vient de me souffler dans l'oreille que je vais avoir des problèmes. Commence pas, caméra. Commence pas. S'il te plaît. Allez. Oui, la PS4 en a déjà marre. Tu remplis ta mission. Je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche de plus importante. Tâche. J'ai pas lu. Enfin non, j'ai pas lu la phrase. Enfin, j'ai pas bien compris la phrase. Faut vraiment que j'arrête. Lis. Te sentir un peu faible, le destin du monde est plus important que. C'est vrai, tu es presque au seuil de la mort. Ton long sommeil. Ok. Tiens, prends ces pétales blancs. Che. Non, on dit un pétale. Je crois qu'on doit dire un pétale. Ils auraient pas fait une faute comme ça. Bien, le pouvoir sacré t'a été accordé. Ça associe les matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre. Utilise les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un baume de soin. Au travail. Fabriquer. Baume de soin. 15 PV. Ok. Par création, enfin, personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. Pouvoir de construire un tel... Oh là là, c'est ouf! Sers-toi à présent du baume de soin que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuie sur carré. Voilà. Ouh. C'est comme Minecraft, mais il faut lire, ouais. Oui, je me sens mieux, j'ai repris des couleurs. Ah, c'est ouf. Les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu le pouvoir de création. Tu portes sur tes épaules. Ah, j'ai compris, ça fait 12 fois que tu me le dis. Je comprends très bien que tu aies envie de quitter cet endroit, mais tu dois d'abord... je vais te montrer comment construire un chemin pour sortir de ce caveau. Avant toute chose, prends cette branche cassée. Bravo. Dans cette humble branche cassée sommeille un bâton de cyprès de plus. Ok. Fabriquer. Branche brisée, taillée pour être utilisée comme arme. Ok. Félicitations, tu viens de créer ta première arme. L'humanité fabriquait autrefois des outils qu'elle a utilisés pour bâtir une civilisation florissante. Vivi. C'est bon. Tu as confié la mission divine de... Sauver le monde. Je vois l'outil que tu es hâte de... Mais finis la phrase! Mais pourquoi il parle pour moi? Pour construire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as fabriquée. Appuie sur X et ouvre le menu principal. Oui. Équipement.
équipés. Bravo! Les armes ne servent pas seulement à combattre les monstres, mais aussi à récolter des matériaux. Toi et toi seul as la capacité de briser les objets. On a été plongé dans les ténèbres. C'est long! Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission sacrée et arrête de lire. Sapin, tu n'es pas en train de dormir, n'est-ce pas? Mais non, mais j'en ai marre! Arrête! Quand un chemin te permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter de la terre. Pourquoi ce bouton est le pire? Je sais pas, t'aurais pu appuyer sur carré. Pourquoi appuyer sur triangle? C'est le pire endroit, triangle. Et puis même, pourquoi ne pas sauter avec... avec croix? Dix blocs de terre. Ouais, c'est Ken qui a fait la dispo des boutons. Bravo, cela devrait suffire. Appuie sur carré pour placer des blocs sur le sol devant toi. Je t'ai indiqué pour toi un emplacement en rouge. Place un bloc de terre pour construire un escalier et quitter ce tombeau. Merci. Je peux me balader? Ah. Oh là, c'est comme Zelda. Je peux casser ça. L'inscription est gravée sur la pierre tombale. Malheureusement, le temps et les éléments l'ont presque effacé. Grosse caméra. J'ai quand même raté l'endroit où je voulais la poser. On en est là. Hein. Hop. Salut Nico. On peut pas changer les touches. Si, on peut changer les touches. On peut pas changer les touches. Est-ce que j'ai le choix? Je me casse. Pas un caillou. Attends. Hop. Tweet, tweet, et tweet. Là, ouvrir. Ouah, ça fait un petit bruit, c'est mignon. Oh là là, Tenshin il parle anglais, déjà que je sais pas dire le français, alors on n'est pas dans la merde. Beau travail, tu as trouvé ton chemin vers le monde extérieur. Lorsque tes yeux seront habitués à la luminosité, tu verras s'étendre devant toi le monde Ok. La lumière l'a quitté depuis longtemps, nanana. J'ai dit pas de création, mais oui, j'ai compris. Voilà. Tiens, celui de la création permettra à ce monde de se reconstruire et au peuple d'Alfgar, de se dresser à nouveau. Je te demande pardon, comment cela tu ne comprends pas? Tu y comprends pas? Il comprend pas, c'est comme moi! Ah, oh, je me sens compris. Je me personnifie, enfin vraiment, ce personnage me ressemble. Pardonne-moi mon enfant, tu viens tout juste de te réveiller d'un sommeil si long, tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple, utilise le pouvoir de création et... qui t'habite et reconstruit ce monde comme bon te semble. Ce faisant, je ne doute pas que tu... Oh, oh là là! Finira par une tragédie qui a frappé ce monde et le rôle que tu y joues dans son... j'ai pas lu la fin. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je veille toujours sur toi.
Tu as sauvé une dernière chose. Tu n'es pas un héros. Souviens-toi au moins de cela. Attends, elle m'a dit tu es un ou tu n'es pas. Waouh. Ça a l'air d'être vénère. C'est un jeu solo ou pas? Je vous pose la question, mais si des gens ici le savent, est-ce que c'est un jeu solo? T'es acceptant, sous tes yeux, t'es jadis connu, du monde est cantelin, il y a fort longtemps, une cité animée entourée de solides fortifications et prospérait, mais les attaques de monstres incessantes finirent par tout détruire. On va se garder trace de sa grandeur passée. Mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien. Oh, tais-toi! Solo uniquement. Prends cet étendard de l'espoir et cherche la source de la lumière quand tu vois devant toi. Que tu vois devant toi plutôt. Alors même que l'obscurité se referme sur eux, les hommes et les femmes de Canaan brandissent cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur cette terre afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouveau de Cantelin. Va à présent, hâte-toi de rejoindre la colonne de lumière. Cool, je peux jouer. Et ça, je peux te le dire, c'est rare. Ça va. C'est cubique. Par contre, on sent que... Je sens que le développement a démarré sur, sur Vita. Enfin, je sais pas, ça se sent. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais... je ressens comme... comme un petit côté, ça a été développé d'abord sur Vita. Voilà, utilisez. Pouvoir de l'amitié. Pour tout le monde, c'est pas RNG le monde. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas totalement à Minecraft. Voilà. Mirdou, c'est apaisant de se répandre aux alentours. Où qu'il se trouve, les gens seront attirés par la lumière avenante de l'étendard. Regarde mon enfant, voici déjà quelqu'un. Plantez son drapeau. Lorsque vous plantez votre étendard de l'espoir dans le sol, la zone qui l'entoure devient votre base. Plus cette base se développe, plus la jauge en haut à gauche de l'écran se remplit. D'accord. Comment on fait? Je vais sauvegarder. C'est tout choupi. C'est encore un mode de marque. Quoi ça, l'ordre de drapeau? Sandra, t'as petit quelque chose de spécial, tout est clair ici avenant, je m'appelle Eve et toi. Si un mot d'exclamation apparaît au-dessus de la tête des habitants, cela signifie qu'ils ont quelque chose à vous demander. Allez lui parler pour savoir ce qu'il veut. Où suis-je? Toi qui a planté son drapeau ici, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Tu te souviens pas, et c'est la déesse qui t'a dit de venir ici, comme ça tu es amnésique et tu entends des voix. Ah bah ce n'est pas, mais alors pas suspect du tout. C'est trop mignon, c'est vraiment si je m'installe. Ouais, c'est vraiment très mignon. Si elle pouvait avoir un tout écran, tu ne peux pas rebâtir Cantelin tout seul. Avant toute chose, tu dois loger ceux qui viennent vivre ici avec toi. À l'exception de la porte, il ne reste bien peu de choses de cette maison délabrée. Répare-la en bouchant les trous et dans les murs à l'aide de terre. Bah non, ça va être dégueulasse. L1 et en dessous avec R1. Carré pour empiler les blocs les uns sur les autres. Maintiens cette touche tout en déplaçant. Muni de ce savoir, avec terre donne vie à cette maison en ruine. On va pas faire avec. C'est moche! La pauvre. Je vais pas faire ça, ça c'est pas beau. Ah non. Alors attends. Ouais. Alors je sais pas si c'est... Ah non. Alors là voilà, je me trompe. Hop. Ah mais d'accord, on met pas le toit. C'est incroyable!
C'était incroyable, ces murs étaient pleins de trous. Ah, ils sont comme neufs. J'ai bouché les trous. Avec de la terre, je te prenais pour un type bizarre qui entend des voix, mais tu as mis de la terre. Oh, tu sais faire des châteaux de sable, ça me fait plaisir. Tu dois avoir une sorte de don spécial. Tiens, c'est pour toi. Une pelle, ah non. C'est trouvé sur le chemin, je te les donne pour te remercier d'avoir réparé... Oh, des pétales. Un pétale. Ouais, je suis sûr qu'elle se fout de moi aussi, ouais. Essaye d'Engofa. Oui, tu dois avoir une sorte de don. Et oui, oui, comment tu as fait? Donc, il faut lui reparler derrière. Tu peux avoir de fabriquer de nouvelles choses. Fabriquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je t'ai dit, il y a bien longtemps, les habitants de ce monde ont été dépossédés de leur pouvoir de création. De les aider à retrouver ce don. L'heure d'avoir réparé cette maison, mais elle ne servira à rien si il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Malheureusement, je ne vois pas de torche dans les parages. Un établi de maçon se trouve près de l'étendard de l'espoir. Tu peux t'en servir pour fabriquer une torche. Prends tous ces matériaux, sers-toi pour fabriquer une torche et montre à cette fille. Le fruit de ton labeur, bien sûr. Rosebois. D'accord, les toits, c'est pour plus tard. J'ai une mesure de glu. Oh, une mesure de glu. Ah, c'est dégueu. Ah, c'est dit d'une manière tellement... Une branche cassée. Allez. Hop. En tout cas, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Minecraft. Hein. On est là. Hein. Montre-lui ta grosse torche. Alors, une torche. Branche embrasée alimentée par un combustible inflammable. Source de lumière, score plus 10. Voilà. Hey! C'est incroyable! Allez, on applaudit tous, j'ai fait une torche. S'il vous plaît, faites pas les cons. Parlez. Tu as trouvé cette torche. Tu ne l'as pas trouvée, tu l'as fabriquée. Ça y est, je comprends ce que ça veut dire. Tu as ramassé des trucs par-ci par-là, tu les as transformés en torches. J'ai saisi enfin plus ou moins. Dis-moi, tu penses être capable de fabriquer quelque chose avec ça? S'il t'en faut plus, j'essaierai de t'en trouver d'autres. Crosquette. Elle m'a donné une branche cassée. Putain, elle se fout pas trop de ma gueule, hein. Fap, fap, fap. Tu fais ce que tu veux, vous clapez comme vous me sentez. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, Osblois. Attends, on va voir, de toute façon, on va voir. Normalement, on a une bonne heure de démo, si j'ai bien compris. Ah, je vais construire une tour comme dans Ark. Quelque chose, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Bah si, mais elle m'a pas appelé sapin déjà. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Oh, wow, wow. Tu vas bien la fermer, t'as, hein? Bah oui, on ne juge pas son nom, s'il vous plaît. Tu as toujours ces torches que tu as fabriquées, tu devrais les placer une dans la... Ah, mince. La pièce n'est terminée que si elle comporte des murs hauts de deux blocs, une porte et une source de lumière pour dissiper l'obscurité lorsque le soleil s'est couché. Appuie sur carré pour placer tes créations où tu le souhaites. Va, mon enfant, et installe cette torche à l'intérieur de la maison. Je m'en vais installer une torche. Dans la maison. Tiens, je vais la mettre ici, la torche. Pas assez d'espace. Ok. Construis une salle vide. D'accord. Par contre, faudrait faire quelque chose. Voilà. Comme ça, c'est pas très propre chez vous, madame. Hein. Hop. Hop. Super, cette pièce est parfaite maintenant qu'il y a de la lumière. Tu es incroyable, tu as vraiment des pouvoirs spéciaux. Je me la croire que quelqu'un a aussi... quoi? Aussi Benete. Ok. Oui, on ne juge pas... Oui, bien sûr, à taille de sa Bible.
S'il vous plaît, c'est pas comme Minecraft quand même, bien sûr il y a de l'inspi, mais c'est surtout un Dragon Quest avec une histoire à Dragon Quest, un système de construction bien fichu, tous les jeux de construction. Bien sûr, New. Non, mais c'était un. Il y avait des blocs, alors tu sais, de base, les gens disent c'est un Minecraft, mais c'est pas méchant de dire que ça fait penser à Minecraft. Mais ça montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, bien sûr, ce Benet. Benet plutôt. En tout cas, merci, désormais on a un endroit où habiter. Graines de vie. Par contre, j'aime pas trop les textes. Les textes, ils sont pas top. Enfin, par exemple, là, le quête terminée, je trouve que ça fait jeu mobile. Je sais pas pour vous, mais ça fait un peu tâche. Oui, non, mais t'inquiète pas, New, hein, je comprends. Tu dis ça sans. T'es pas énervé ou quoi que ce soit. Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien. Qu'est-ce que définit une pièce ? Pour être reconnu comme tel, une pièce doit être supposée d'un numéro, de blocs, une source lumineuse, dadadada. Ok. Bah, merci bien. Grâce à toi, on a une jolie pièce. Merci, sub. Ah, et merci chez Gamy pour ton sub. Et il n'y a toujours pas son de sub. Je vous promets que demain, je change et je ne mets plus le Twitch Alert. Mais merci pour ton sub, chez Gamy. C'est très gentil. Musou des culs, FIFA des culs. Ah, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté jeu mobile. Rien que l'image, la quête terminée. Mais après, bon, c'est un. Là, la typo du texte est bien, c'est juste les petits logos. Tu ne crois pas qu'elle serait mieux si on avait quelque chose où s'allonger pour dormir? Alors, elle me demande de faire des torches, maintenant elle me demande de faire un lit. Faudrait peut-être nous fabriquer ça. Ah, d'accord, New l'a bien dosé. Cool. Bah, New, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me donner comme ça, même, enfin, si c'est possible, une durée de vie à peu près. Au pif. Enfin, au pif, à peu près. Enfin, tu dois récupérer tes matériaux pour fabriquer des lits. Si tu en places un dans une pièce, tu peux dormir dessus quand bon te semble. De nuit comme de jour, pour restaurer ta santé. Ce serait fantastique si tu pouvais fabriquer deux lits pour qu'on puisse s'allonger. Tu sais, un lit, ça suffira. Tiens, on pourra dormir l'un à côté de l'autre. Cette fois, je te laisse récupérer les matériaux dont tu as besoin pour fabriquer des nattes de paille. Bah, c'est gros lit, hein. En herbe-feuille, tu dois d'abord... Est-ce que ça... Quoi ? Fabrique de lit. Objet fonctionnel. Couchage rudimentaire constitué d'un tressage d'herbe. Ok. Pas de chance, c'est ça. Oui. Allez. Allez. C'est moi ou... Ça lag un peu. Non, ça lag pas, non. Non, c'est moi. Fabrique. Il m'en faut... Herbe feuille 3. D'accord. Hop. Donc il me faut 6. Ouais. Ok. 35-40 heures pour la quête principale. Après, tu as un mode libre pour construire comme tu veux. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fin de chapitre, tu as des objectifs que tu remplis ou non et que tu débloques de nouveaux matériaux. D'accord. Ok, 35-40 heures, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en ai 6, on est bien. On va fabriquer 2 lits. Le jeu est sur PS4, mais sortira aussi sur PlayStation Vita. Alors, Nat. Hop. Je pense que tu pouvais en faire 2 directement. Fabriquer un... Ouais, ok. Si j'avais marqué carré, j'en aurais fait 2 directement. Ok. Ouais, elle a pas peur, elle. Hein. Donc, on se les met où, les lits?
c'est marrant. Est-ce qu'on peut approcher? Je vais mettre un livre là. Ah mais attends, ça va pas. Hop. Attends. Hop. Ouais, je sais, c'est plus... je sais. Hop. Voilà. Hop là. Une chambre sobre pour la première fois. Une chambre sobre. je sais pas combien il coûte le jeu, parce que pour l'instant, c'est là une démo, hein, là. Mais oui, ça coûte, je crois, en tout cas, en démat, c'était marqué 59€. Donc, je pense, oui, tu vas le trouver assez facilement à 40 balles dès les premières semaines. Un lieu, fait de matériaux modestes pour où deux personnes peuvent dormir. Vite, allons voir Eve. Non, mais là, Eve. Waouh, tu as fabriqué quelque chose que, ou en plus, ouais, bien sûr, nuit et jour, tu peux dormir sur n'importe quel lit placé dans une pièce pour restaurer ta santé. À mesure que le soleil se couche, les ténèbres se rapprochent et des ordres de monstres plus puissants se mettent en chasse. Une fois la nuit tombée, tu serais bien avisé de retourner à ta base pour te coucher et de dormir jusqu'au matin. Tu as découvert comment fabriquer une natte de paille sans mon aide. Outre le pouvoir de création dont je t'ai doté, il semble que tu aies le don de savoir ce que tu es capable de fabriquer à l'aide de matériaux que tu trouves. Il s'agit d'une compétence fantastique. Ok. Moi j'aime bien les jeux... Enfin je sais pas encore une fois. On me dit qu'est-ce que t'aimes, je sais pas. On verra. Laisse te parler ou quoi. Une fois de plus, tu regardes dans le vide, la bouche grande ouverte. De faire plus attention à ce qui t'entoure. Si tu continues comme à avoir des absences, tu n'arriveras jamais à rien faire. Ok. Arrête de me donner des branches cassées. Le temps file. Que recolle-t-il les matériaux ou que vous construisez des pièces? Le temps s'écoule sans arrêt. La nuit finira par tomber et un autre jour se lèvera. Vous pouvez voir l'heure en haut à droite de l'écran. Ça cache. Ouais, on va dire, allez, c'est bon. Vous voyez à peu près, même s'il y a le truc des subs et tout qui cache. C'est à peu près, à peu près. Je pourrais changer la position si vraiment ça vous dérange. Ah, y a pas de souci, pas de souci. Donc, là, c'est encore le jour. Attends, viens là. Alors, sapin, je peux te poser une question. Ça fait déjà un certain temps que tu cours à droite et à gauche en ramassant des choses. Tu n'as pas un peu faim? Il y a une barre de sang. J'ai pas vu une barre de faim. Comment? Non, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas mon hante qui gargouille tout ça. C'est encore... Ah, bon, regarde, il y a beaucoup de prunettiers. Les prunettes sont des fruits... Les prunettes. Assez petits. Moins 5 pour faire un repas correct. C'est un petit fruit rose qui ne tombe jamais loin de son arbre. Tu devrais peut-être regarder si tu en trouves dans les parages. Et bah oui, bien sûr. Si je tape l'arbre. Oula. Oui. Ah, là, il y en a. C'est un petit fruit vite fait, hein. Ok. Il en faut 5. Ouah, il y a des ennemis. Hop. Ça, son premier bouton de coralline. Attends. Moi, je veux juste bouffer, hein. Cherchez pas à m'embrouiller, hein. Salut Titou. Eh oui, ça a changé. Oui, t'as trop faim, c'est bon, calme-toi bien. Vue aérienne, option. Wouah! Stylé. Stylé. Voilà. J'ai les 5. Donc tu as ramassé beaucoup de prunettes, tu me les donnes. Bah oui, soit j'ai pas trop le choix. Super, merci pour tout te dire, j'ai très très faim. Tiens, celles-là sont pour toi. C'est ta part, c'est vrai, tu dois mourir de faim toi aussi, elles sont vraiment bonnes. Tu devrais goûter. Bah goûte.
Alors, la jauge de faim. Ah, c'est du pain. À mesure que le temps passe, votre faim augmente. Vous pouvez voir le niveau de satiété sur la jauge située en haut à gauche de l'écran et remplir celle-ci à nouveau en consommant de la nourriture. C'est incroyable! Je me disais, tu te promènes en frappant les arbres, les plantes, hein, toutes sortes de matériaux que tu trouves pour construire de nouvelles choses. Pas vrai, ça serait pratique d'avoir un endroit pour ranger ce que tu fabriques. Toi, tu dois après vite à récolter plein de matériaux différents. Pourquoi je te demande ça? Eh bien, c'est secret, ou c'est toi pas. Temps pour ranger. Ouais. Ah, on apprend autre chose. Ah, je le découvre tout seul. Tu peux construire des blocs cachés, c'est-à-dire. Branche pour coffre-fort incassable, permet de stocker. Ben, on va voir comment on le fait. Ah, attends. Tu as fabriqué un, tu semblais avoir une bonne idée de la façon, hein, et quelqu'un attend que j'en sois pour que tu ne sais pas de vrai que t'as vu qui. Puis, ok, regarde des coffres, hein, mets-toi au travail. Allez, go. Hop. Ouah, je peux faire une massue de chêne. Alors, coffre. Branche cassée. Hop. Attends, je vais faire une massue, moi. Fabrique une massue. Il la place dans le sac d'équipement. Alors, attends. Non, pas ça. C'était où? Là. Équipement. Non. C'est plus 5, hein, j'aime mieux quand même. Équipé. Ouah, c'est trop stylé! Il faut régler un coffre maintenant, tu peux ranger tout ça, tout ce que tu as ramassé et partir à récupérer encore plus de choses. Il y a une question qui me trotte toujours dans la tête, qu'est-ce qu'il y a en exactement? On raconte que la mienne nous a été volée par un monsieur très méchant. Tout le monde a... Je trouve pas que ce serait amusant si on pouvait... attire cette ville, si tout le monde pouvait venir vivre, j'ai l'impression que tout est possible quand tu es là. Oh, c'est mignon. On devrait faire notre maximum pour que cette ville devienne un endroit où il fait bon vivre. Pour ça, il nous faudra des tonnes de matériaux. C'est pour ça que je t'ai demandé de fabriquer un coffre. Cool. On met où le coffre? Tiens, la ville la plus belle, la plus géniale du monde. Ouais. Bien sûr. Ah, merci Petit Avion pour le host, des zoubis. T'as fini tôt, dis donc, Petit Avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Hop. C'est incroyable. Salut Penche. C'est terminé qui est organisé. Par contre, ce que j'ai trouvé nul, c'est le pathfinding des alliés qui te suivent. Ah, crevé, d'accord. Bon bah bonne nuit en tout cas. C'est vrai qu'après plus de 50 heures de marathon, on se demandait hein, quand elle dormait. Ça ne va pas être facile de faire ça dans cet endroit. Ah quoi? De cet endroit une grande ville. Est-ce que je peux te faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, mais si je veux me mettre à fabriquer des choses, il me faut une pièce dans laquelle travailler, une pièce comme celle sur le dessin. Quoi? Tu peux me construire une pièce comme celle que j'ai dessinée? Allez, s'il te plaît. Où ça? Exemple, et donner envie à la jeune F de construire quelque chose, les plans tels que... ouais, appuie ça pour afficher le plan en détail. Pour réaliser un plan, veille à placer tous les objets exactement comme indiqué. Prends bien garde à construire les pièces à l'intérieur des limites de ta base. N'oublie pas la porte pour entrer et sortir de la pièce et une torche pour l'éclairer. Tu peux fabriquer tout ça à partir du matériau, je me trompe pas. Doc, là, je suis dedans. On vient de démarrer il y a... Il est quelle heure là? 22h? Il y a une demi-heure. Et on est dans le tuto. Et c'est long. Mais c'est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ok. Descendez. Porte de paille. C'est bon? Ouah.
Attends. Elle m'a dit d'appuyer là. Disposer. Mais non, mais je vais pas dis. Est-ce que si je dispose le dessin. Ouais, c'est marrant. Mais parce que on s'amuse, mais Merci Nemesis pour le sub. Merci pour les 12 mois. Des zoubis. Et salut. Alors attendez. Elle m'a dit de faire des trucs, j'ai pas lu. Ça y est, je comprends plus. Attends, stop, calme-toi. Bâtiment, aménagement, chambre sobre. Ok. Ah. Waouh, c'est trop bien. D'accord, donc ça c'est ce qu'elle veut. Mais il faut faire exactement ce qu'elle veut. Parce que c'est bizarre quand même ton truc là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va lui faire là. Hein? Quoique, ça ressemblait. Attends, il était comment le plan? Ah, le plan, faut voir, imaginons là. Non, il avait rien à voir. Hein. Non, ça avait rien à voir. On va lui faire là. Alors, donc mes limites. Oui, ça va. C'est parti. Oh mais non, mais t'es sérieux. Hop, viens là. On va prendre notre temps. Ça a pas l'air ouf, ça a l'air d'être posé. Voilà, ça par contre, enfin, faut pas t'attendre à un jeu qui bouge dans tous les sens, hein. Clairement pas. Attends, je vais chercher de la terre. Je peux en récupérer combien? Ouais, la musique, ouais. La musique, c'est un peu la même. Si c'est que ça, à la limite. Ça va. Moi, je vous conseille de quand même prendre sur PS4, quand même. Hein. Je sais pas. Bah, c'est simple, Mew, tu l'as sur quoi? Tu l'as sur Vita? Construis-moi un atelier. Attends, meuf. Attends, quoi que. Je veux bien te construire un atelier. Je veux juste savoir comment on le construit. On peut pas? Ok, je bougerai lui alors. Alors. Ah non, alors attends, non. Ça va pas le faire, hein. Non mais... S'il te plaît. Non. On va devoir faire ça comme ça? Non. Ça va être chiant. Ouais, ça va être chiant. Parfait. Là. Pas assez d'espace, c'est normal. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je fais pas de la bonne manière. Ça a l'air d'être beaucoup trop... Je me complique la vie, j'ai l'impression. Ça se trouve, dans 5 minutes, on va me dire, mais tu fais n'importe quoi. Il y a beaucoup plus simple. Si t'appuies sur ce bouton, tu verras, ça marchera beaucoup mieux. Ton plan avant. Oui, mais si tu poses ton plan, ça va pas.
Pourquoi tu fais pas un remplissage de zone? Bah je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire en fait. Ah! Une fois ça est couché, ça a réduit. Ouais, c'est pas grave. On va aller se coucher, madame, de toute façon. C'est un coup à prendre. Ah! Ah! Laisse-moi faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas placer ça en l'air. Bah oui, mais je veux le placer pas en l'air. Oh. Allez, donne-moi. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez. Oui. Ah là 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 là. Mais... 5. Et comment je place là? Ah oui, mais on peut. Je suis mauvais. Voilà, maintenant on va se coucher. Allez, on va se coucher. Allez, dodo. Voilà. Je vais poser mon plan. Je suis content. Ah bah voilà. Là maintenant j'ai une meilleure vue d'ensemble. Et est-ce que je peux le récupérer? D'accord, mais est-ce que je peux le récupérer? Donc là je peux pas le récupérer. On est d'accord. Je ne peux pas le récupérer. D'accord. Donc au moins c'est clair. J'ai bien fait de faire ça. Non, s'il te plaît. C'est une carte. Oui, c'est Minecraft. Exactement. Minecraft, tout ça. Non, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais casser là. Voilà. Et qu'il va avoir un autre mur. Ok, hop là. Hop. Oh, elle doit être tellement contente. Casser. Ah. Il y a un but au jeu? Bah oui. Là, je suis en train de faire une maison. Bien sûr qu'il y a un but. Qu'est-ce que t'as, t'es crado? Non. Voilà, maintenant une porte. Pite. Mais oui, c'est déco. Porte en paille. Il me faut de l'herbe feuille. Vite. Ouais, il coûte cher par contre après call le jeu, hein, les mecs. Hein. Ah! Faut bien que je pense à la nourriture aussi. J'en ai combien? 3. Je te sens énervé. Bah oui, bien sûr que je suis énervé. Attends.
Hop. Voilà. Parfait. Maintenant le coffre. Hop. C'est bizarre parce que j'ai pas fait la maison où il fallait. J'aurais pu l'excentre. Enfin, j'aurais pu. Normalement, je devrais tout casser. Mais bon, on va dire que c'est pour les. Pour la démo, on va pas tout péter, hein. On va pas s'énerver. Donc. Ouais, d'accord, je peux le récupérer, hein. Ouais, je peux le récupérer. Voilà. Feu de camp. Pourquoi un feu de camp dans une maison? T'as pas peur? Glu bleu. Ah, faut que je chope de la glu. Viens là, le gluant! Viens là. Il est où? Voilà. Oui, construis-moi, fais-moi ci, fais-moi ça, non mais oh. Une vraie gonze? Ouais! Ah ouais! A construire un maçon pour la première fois. Atelier de maçon. Logement. Non, loge destinée à la construction où tous les maçons affichent un franc sourire. Les habitants construiront du mobilier et des matériaux et les placeront dans le coffre. Oh, elle est heureuse, regardez! Oh, regardez comme elle est heureuse! Clap, clap, clap! Génial, tu as construit l'atelier. De sale sale, mais non, mais calmez-vous. Sur une île, tu as des pouvoirs bizarres de constructeur, pour le moment c'est tout. Ouais, pour l'instant c'est ça. D'accord, c'est à se recharger. T'as jamais joué au Dark Souls, non, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Tu as construit l'atelier que je t'avais demandé, merci. Il est exactement comme je l'avais dessiné. Clairement, les habitants de ta ville t'apporteront leur aide en te donnant des plans. S'il te manque des matériaux pour réaliser un de ces plans ou pour construire un bâtiment, cherche-les dans les environs. Certains matériaux peuvent être obtenus en venant à bout de monstres qui errent dans la nature. Ces créatures ont tendance à s'accrocher à des objets. D'accord. En fin de journée, je mettrai tout ce que j'ai fait dans le coffre pour que je puisse... que tu puisses voir les merveilles que j'ai construites. Donc, ça va, ça la pète pas trop. Elle s'en fout du toit pour l'instant, apparemment. Tissu rêche. D'accord. Pour l'instant, oui. Ah, je peux construire. Mais je suis peut-être déjà habillé, non? Non, mais. Ah, ah. Non. Équipement. Je crois que j'ai déjà ça. J'ai déjà un haillon. Plus jamais, pas de bonne. Hop. Tu me coûtes cher. Ah, vivons les 8, j'avoue. Un message est écrit sur le panneau. Les monstres attaquent toujours cette direction. Nous devons construire des murs pour protéger la ville. Écrit il y a très très longtemps. Quelqu'un devait habiter ici autrefois. Super. Alors encore merci pour cet atelier. Maintenant tu vas pouvoir fabriquer ce qu'on lui manque pour reconstruire la ville. En même temps, sera vraiment utile une ville puisque puisqu'on est les seuls à y vivre. Si j'ai remarqué un bonhomme louche. Il avait l'air un peu bizarre, j'ai préféré attendre qu'il s'éloigne et je me suis précipité ici. J'ai réagi un peu vite. Il n'est peut-être pas si méchant après tout. Si on demandait de venir vivre avec nous, il pourrait peut-être nous aider à reconstruire la ville. La dernière fois que je l'ai vu, il se trouvait de l'autre côté de la montagne. Il va le retrouver, sapin, et a demandé de se joindre à nous. Fais bon usage de ta boussole. Elle te sera très utile. Appuie sur option pour afficher la région qui t'entoure. Ok. Un nouveau repère apparaît sur la boussole. D'accord, cool. Vite. Alors attends, faut manger. D'accord, cool. Par là-bas. Attends, par là-bas. Je suis le petit point. Ok, hein. Je suis le petit point. Salut Mostrif. Bah non, c'est de l'autre côté. Bah non, mais pourquoi c'est de l'autre côté? Bah oui. Oh là là. Oh mais les gens on comprend pas. Nous il y a un truc et puis la petite flèche et ça va pas dans le bon sens. Bah oui je me disais il y a pas de montagne par là. Oui je lis tout. Oui j'ai changé. Par contre je ne sais toujours pas aller dans... suivre une boussole.
Non, c'est des gluants. Calmez-vous. Et le fun. Voyons, calmons-nous, calmons. Okay. C'est bien ça pour savoir où il est. Ah là 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 là. Oh, c'est pas. Rien éternel. Oh non, 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 non. Oh non, une barre de durabilité. Le cancer. Joue mieux, s'il te plaît. Vite, un gluant! Oh! C'est pas grave, c'est pas grave. Un gluant! Boum! Et un autre. Tout shot, mon gars. Et voilà. Feu de camp brûle vivement. Il a été alimenté il y a peu. Quelqu'un doit se trouver non loin d'ici. Un nouveau repère de car. De. Ok. Hop. Oh, il a... Je tiens ma première caisse. Il est par où? Et merde. Ah d'accord, ça c'est juste la nuit, les machins. Je pense que je vais mourir, ça va être bien. Ok, ah il est à la maison là. C'est le guest. C'est ton goutte. Point cardinaux, c'est de la connerie, ça change, on est tourné, c'est pas de ta faute. Ah d'accord. Okay. Attends, pour une fois que c'est pas ma faute. Bonjour. Personne. Lire. Ces vieux bouquins sont tellement durs à lire. Attends, on dirait des Benoît qui écrit. Déchiffrer les chroniques de Cantelin risque de prendre plus de temps que je croyais. Sapin a tellement de mal à déchiffrer ses lignes qu'il ne peut pas se résoudre à poursuivre sa lecture. Ah merde. Pas dormir. C'est No Man's Sky sans le vaisseau spatial. Il est où le mec? Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, j'ai faim. Ouais. Hop, je confirme pour des Benoît. Il écoute plus, de toute façon. Il a disparu. En tout cas, c'est propre. Ah. Wouah! C'est très. C'est très Minecraft comme. Bonjour! Ça, le monstre m'ont enterré vivant. Ils m'ont complètement recouvert de terre et je n'arrive pas à sortir. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Je tiens mon enfant. Tiens, elle est là pour diriger les attaques au-dessus, au-dessus. Ok. Ah, d'accord. Tu peux viser. D'accord. Pas obligé de sauter. Ouais, c'est pas grave. Ça me dérange pas de sauter. Hop. Pfiou, enfin libre, je ne sais pas comment te remercier mon jeune ami, moi. Mais dis-moi que je suis sûr que je me souviendrai d'un visage aussi étrange. De qui es-tu? Comment tu dis que tu bâtis une ville près d'ici? Par mes rouflaquettes, c'est une nouvelle extraordinaire. Laisse-moi t'apporter mon aide. Permets-moi de venir habiter dans ta ville et de t'aider à la reconstruire. Pourquoi fais-tu cette tête? On dirait que tu viens de gober un insecte. Enfin, tu peux bien faire la tête que tu veux. Que ça te plaise ou non, je trouverai ta ville. Moi, je m'appelle Faustin. Je suis l'heureux propriétaire d'un des plus anciens recueils historiques, les Chroniques de Cantelin. Je peux t'assurer que ce gamin est à et moi, on se révélera, révélera le rêve. Révélera indispensable à ta nouvelle ville, alors passe devant, je te suis. Il avait l'air d'être bizarre quand même, hein. Regardez sa tronche, il a pas l'air de. Voilà, tout le monde était en bas dessus. Ça te permet aussi de poser en ligne droite. Quoi? Je peux en bas. Oui, je lis tout. Je lis le chat, je lis le jeu, je. Pff. Je change, j'ai changé, hein. N'hésitez pas à. Je vais changer. Allez, on se casse et on retourne à la maison.
Et quoi, Faustin? Il s'appelle comme comment dans le jeu? Enfin, dans le... dans les autres versions. Tu vas où? Ah, elle répond pas. Elle a pas dû entendre. Hop. Alors. Il peut nous suivre quand même, ouais. Ah, d'accord. Je m'a pas écouté, je crois, en fait. Oh! Ok, il semblerait qu'il y ait des méchants. Attends, 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 vite! On va faire le tour. En tout cas, c'est marrant, ça a fait le cast comme dans... comme les Dragon Quest, c'est drôle. Enfin, le, comme le jeu, quoi. Je ne sais plus, mais c'était pas Faustin. Ouais, il y en a tellement plus. Comment la max? Allez, rentre! Ah, on peut pas dormir en fait. Si je bouche. Ah, peut-être qu'on peut dormir si je bouche les. Non, mais arrête! Sac! Ah, j'ai construit une pièce. Maintenant, on peut dormir. Allez, regarde-moi dormir! Aucun problème! J'ai changé, oui. Quand tu vises vers le bas, bah, ça bloque aussi ton perso. Le framerate sur Vita, il donne quoi? J'ai déjà posé la question, mais j'aime bien reposer les questions. Donc lui, il a pas dormi. Hein. Voilà. Faustin Bollard. Wow. 30 c'est propre. Celui-là on est en 30 hein, aussi hein, de toute façon hein, mais, tout. Mais plutôt la question dans le framerate, c'est est-ce que ça, est-ce que tu sens que c'est bof ou voilà. C'était plutôt ça la question. Ah. Ah, j'ai trop de choses. Alors attends. Qu'est-ce que je pourrais jeter? Bouton Virginium. Bon, c'est pas grave. Allez, on va chez nous. Salut Rewen. Hop, hop. Voilà. Cet endroit est incroyable. Oh là là, un nouvel ami. Super, tu as trouvé de tu as trouvé quelqu'un pour venir vivre. Ok. Quand tu le trouves un peu louche, tu n'as peut-être pas tort. C'est pour ça que j'ai préféré éviter l'autre fois. Quand j'ai vu la première fois, il gloussait en feuilletant cet énorme livre. Stable. Par contre, les arbres très loin, on les voit de l'autre côté de l'eau. Là, on les voit pas sur Vita. Ok. Ah, alors, Larry Wen, dis-moi, je t'écoute. C'est les mêmes textures. Heureusement. Dessus, de là, vers PS4, normalement à distance. Okay. Il y a une barbe. On doit... Et j'imagine que le cross-buy, on se le. Il n'y a pas de cross-buy, hein. On est d'accord, hein. Ce serait trop bien, hein. Sixième geste, c'est un boost de HP permanent. Ah bon? Ok. Donc, il a une barbe, on doit pouvoir compter sur lui. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut compter sur Titavion. Bon, il est pas là, il dort peut-être. Dans le cululu de Crossbuy. D'accord, parfait. Non, mais c'était sûr, j'étais presque sûr, je vous... Voilà. Il doit être très intelligent. Tu as vu sa grosse barbe, elle est si touffue. Toujours est-il que nous avons un nouvel ami maintenant. Nous allons travailler tous ensemble pour faire cet endroit la plus belle ville de tout Alfgard. Alfgard. Non, c'est une moustache. EMV. Ah, mais ça me gratte. Alors, le sixième. Objet spécial. Graine délicieuse qui garantit une grande vigueur. Augmente. Ok.
D'accord. Donc, parler. Pour me souvenir, mes sorcières en bataille. Par mes sorcières en bataille, cette fête déborde de vie. Je suis sûr que c'est l'endroit, hein, les chroniques de Cantelin parlaient. Je ne vois faire revivre la cité mythique de Cantelin. Tu l'as vu, ma grosse bébère? Précision que mon allusion à ce livre légendaire a veillé ton intérêt. Chroniques de Cantelin sont un grimoire, inestimable, rassemblant un souvenir, un savoir ancien que ma famille se transmet depuis d'innombrables générations. Il est vieux de plusieurs siècles. Ces pages racontent la malheureuse histoire de l'humanité et l'art perdu de la création et de la construction. Déchiffrer ce texte ancien pourrait révéler les secrets fondamentaux de la restauration de cette cité autrefois prospère. Notre rencontre ne doit pas. Voilà. Alors, mal attention, douter de tes affirmations, mais est-ce que vraiment toi qui as construit tous ces bâtiments, c'est vrai, le pouvoir de créer de nouvelles choses dans le monde de l'humain. Oh là là, tu m'énerves! Mais oui, je suis le bâtisseur, oui, bien sûr. Bien sûr que non, le bâtisseur avait une tête pareille, j'en mangerais pas. J'ai failli oublier le sentier de la montagne qui relie cette ville à l'endroit où on s'est rencontré par... Décrire un outil spécial que l'on peut fabriquer à partir des plumes de des chimères qui errent dans ces montagnes. Il s'agit d'un dispositif arboratique qui permet de voyager à la vitesse de l'éclat. Oh. Si tu devais véritablement être bâtisseur légendaire, je suis certain que tu n'aurais aucun mal à créer des objets à me montrer. Nos matériaux pour comprendre immédiatement quel objet est pour même fabriquer les chimères que tu cherches errent au pied des montagnes non loin d'ici. Sers-toi de ta boussole pour les trouver sans t'égarer. Et bah go. Attends, par contre je vais regarder ce qu'elle a mis dedans. Ah bah bravo. Parce que genre ça fait madame, elle m'a dit qu'elle allait me donner des trucs, enfin qu'elle allait faire des trucs, mais que dalle. Manger par les mythes. Ok, ça on s'en fout. On s'en fout. Ça aussi. Pour le bâtisseur à construire des choses. Ok. Voilà. Hop. Trouver de nouveaux compagnons pour. Ah merde! Ah, je lui parle! Ah, mais il est sur moi! Ah, nous sommes une et même personne! Ça doit être vraiment très intelligent. Les gens bêtes ont rarement une barbe aussi touffue. Non, mais on a compris, arrête! Tu fais une fixation! Comme il y a de plus en plus d'habitants, nous allons avoir besoin d'autres lits. Nous ne pouvons pas laisser le pauvre Faust. Mais il y a 50 000 lits là-bas! Attends, sa barbe. Mais elle a encore pas. On dirait rien. Bon, allez, on va chercher. La chimère, tout ça. Attends, quoique, avant, ça serait bien peut-être. Ouah, elle fait des trucs intéressants. Est-ce que je peux réparer mon équipement? Enlever. Alors attends. Ça va être compliqué. Un sapin, tu t'en sors avec ta fabrication. Oui, si tu veux, le grand pâtisseur. Oui, oui, tais-toi. Je possède un don sacré, mais attention, les chimères sont des ennemis dangereux. Hein, tu devrais faire un croquet. Ah, la boussole, un repère t'indique. D'accord, oui, mais je veux. Ah! Objet. Non, équipement. Pourquoi je peux pas? Bon, tu sais quoi? On va fabriquer une autre massue. Il y a bien des fiches des pieds, oui, bien sûr. Mais non, mais pourquoi j'en ai fait deux? Je peux équiper 50 000 trucs? Ok, bon. C'est pas grave, allez, on va dire que c'est normal. On y va. Chimère. La, 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 la. Bah, c'était pour faire quoi, ça? Ouais, c'est pour faire exactement la même chose. Oui, oui. Ah, c'est ça les chimères là? Non? C'est ces trucs dégueulasses qui volent? Oui, il faut que je me laisse pousser la barbe. Mais ça va, hein, je commence à être intelligent là, je me sens intelligent. Euh.
Aile de chimère. Ok, je vais en faire plus. Hop. Allez, j'en prends 3. Tiens. C'était easy. C'est les petits FF15. Ah, je vous comprends pas vos blagues. Si on te croise dans la rue, on peut te dire bonjour ou tu préfères qu'on te dise rien? Ah bah tu peux dire ce que tu veux. Pourquoi New? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi où tu veux en venir. Oh, il en faut 5. On peut pas courir? Oh là là, Call of Duty c'est mieux, on peut courir. Fais un effort pour comprendre les blagues, non mais oh. Ah bah voilà, Cyril me dit pile quand je reviens. Et Célia est tombée. T'es tombée? Non? Tu sais, tu peux rentrer et tomber, hein. La 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 la. Tu peux toucher ton crâne. Ah bah bien sûr, tu peux me dire bonjour, hein. Y'a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. Si tu dis sapin, je pense que je me retournerai. Elle ment, elle est tombée. Ah, tout le monde a dit que t'es tombée, hein. Oh, je lui ai... apparemment, les coups par l'arrière sont, font plus mal. Bon, pour l'instant, en tout cas, le jeu est très posé. Ça va. On va dire que ça fait bientôt 1h30. Et ça va. Ah mince! Ah mais moi je pensais qu'on allait les équiper et pouvoir voler. Tu m'as trompé. Ouvre la porte! Par la déesse, c'est une aile de chimère, elle exactement quoi. Tu es bien le bâtisseur. Depuis que nous avons perdu la lumière et que le royaume a été plongé dans les ténèbres, d'Alfgar attendait ce jour. T'es un peu trop proche de moi là. Je vois bien être Bis enverrait le bâtisseur pour nous sauver. Pour savoir ce que tu pouvais fabriquer avec elle. Cherche. Ah, j'ai pas lu. Ah, j'ai pas lu. Sois toujours à l'affût de ce qui t'entoure, mon enfant. Si tu devais voir quelque chose tu ne connais pas encore, récolte-le sans faute. Mon jeune ami, deux tâches capitales nous attendent, toi et moi. Pour commencer, il nous faut terminer la glorieuse reconstruction de la ville, jadis florissante de Cantelin. Il a pas vu. Couleur portugais, bah ouais. Tiens, revenir dans la dernière ville. Ok. Terrible tragédie qui a provoqué l'effondrement de la ville. Cet endroit est enfin entouré de redoutables fortifications, de hautes tours et des tourelles destinées à tenir. Immense golem. Oh là là, c'est génial. C'est été totalement rasé. Il n'en reste En tant que fier fils de Cantelin, j'ai l'intention de résoudre ce mystère et de découvrir ce qui est arrivé à mes malheureux ancêtres. Je suis sûr qu'avec tes pouvoirs et mon livre et ma Bible, ce n'est qu'une question de temps avant, avant que la vérité ne soit révélée. On compte tous sur toi. Oh mais arrêtez de me donner des branches! Ah, qu'est-ce qu'elle veut? Tellement fin que je pourrais manger un gluant. Ça creuse vraiment d'inventer et de fabriquer. Je me suis dit si on met quelque chose pour faire la cuisine... Qu'en dis-tu? Crois-tu que tu serais capable de fabriquer un appareil qui me servirait à faire de la cuisine? C'est place ces objets, cet objet dans une pièce avec un coffre afin de ranger des plats délicieux. Elle va me donner un autre plan, non? Construis-moi une cuisine. Tournebroche. Construire une pièce de A à Z. Une pièce doit posséder des murs. Ah, tais-toi!
je peux commencer au pif? Eh ben regarde. Tu sais quoi? Tu vas être impressionnée, madame. Je viens de construire une pièce. Attends d'abord. Pas besoin de faire une pièce de A à Z, il y en a déjà une. Alors, tournebroche, feu de camp. Hop. Donne des branches, tu verras quand les vendeurs arrêteront de t'en donner des champignons à croire qu'ils veulent que tu fasses un trip sous les dés. Tournebroche. Branche cassée. Hop. Oui, oui. J'avoue. Allez. Hop. Alors. Je vais le mettre là. Attends. Ah mais la maison est un peu sale. Hein. J'aurais pu mieux la... Ouais, faudrait la refaire. Hein. Quoique... Attends, si je casse le lit. Waouh, voilà. Oui, elle perd des points, je sais, mais c'est pas grave. Hop, fabriqué. Maintenant, il faut un coffre. Voilà, si les frappes, ça fait mal. Il faudra pour le cas, les dépôts, mais ça seront les rites, faire une verre. Ok, j'ai pas lu. J'ai pas lu et ça c'est bien. Du coup, coffre. Branche. Il a tout cassé. Doui doui, la musique me ne m'énerve pas. Hop. Il a plus de lit, il a plus de lit. Calmez-vous, je mets un lit n'importe où, regardez. M'énerver, on peut pas faire une... Pardon, je vais pas faire... Ah, moi ici là, regardez, m'énerve les gens. Faut là. 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 Foutre un lit. Porte en paille. Oh là là. Oh, c'est l'angoisse. Vite. Donnez-moi de l'herbe feuille. Ah bah non, je peux plus dormir avec elle. Ça y est, c'est fini. Ah c'est ça, c'est les grosses feuilles, l'herbe feuille. Bah ouais, c'est que les grosses feuilles. Elle est où ma grosse feuille? Ah mais donne-moi de la grosse feuille. Allez, donne-moi ta grosse feuille. Ah là, une grosse feuille. Une grosse feuille. Voilà, maintenant je veux du bois. Quoique, attends, il fallait combien? Si ça se trouve, on peut faire une porte. Bien sûr, on peut faire une porte. Voilà. Hop. Hop, voilà. Tiens, on va la mettre là. Et on va mettre ça là. Hop, j'ai construit une salle vide. Quoi? Ah oui, il faut deux. Je suis casse-cou, je suis casse-cou, je suis casse-cou, je suis casse-cou. Oui, oui, oui. Faut mettre deux. Pourquoi deux? On sait pas. Tiens, comme ça, vous pourrez pas dormir. Hop. Franchement, c'est cool. C'est cool. Gil. Gil ou Gilles? Gil. Je t'appellerai Gil. Non, Gilles, c'est stylé. Et heureux, Tender. Bon, voilà. Elle est belle ma maison. Donc oui, qu'est-ce qu'elle voulait la cuisine? Non, pas la cuisine, la cuisine c'est moi et c'est... Non, le coffre. Ah mais j'ai plus de bois. Merde. Oh,
4. Ah, mais il en donne 2 à chaque fois, non? Oh, il en donne qu'un. C'est moi et c'est Schmitt. J'ai pensé à ça, hein, mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit, les gens vont m'insulter. Alors. On va poser le coffre ici. Oh, attends, plutôt ici. Hop! J'ai rempli, j'ai fait une cuisine. Ah, regardez, elle arrive. Regardez comme elle est contente. Ah, elle est heureuse. Maintenant, je peux mitonner des petits plats exquis. Et ce coffre est parfait. Je prépare quelque chose de très très bon. Je le mettrai dedans. Quand ça se passe un jeu 100% solo, par la suite d'autres joueurs peuvent débarquer. Non. Non, non, parce que... non. Dans No Man's Sky, tout ça, n'oubliez pas. Si elle va retrouver de nouveaux compagnons pour venir vivre dans notre ville, Sapin, Faustin doit être vraiment très intelligent. Les... Oh. Bref. De plus en plus d'habitants, nous allons avoir besoin d'autres lits. Nous ne pouvons pas laisser le pauvre Faustin dormir par terre, ça va être toute sale. Tu me fais chier. Bon. Est-ce que tu te laves? Par ma pensée rebondie, il semblerait qu'on ait une cuisine maintenant. Ton imagination m'étonnera toujours. Je me demande si tu as, si tu es aussi doué derrière les fourneaux et si tu voulais avoir quelque chose à manger pour voir. Comment je n'ai pas à me débrouiller. Construire une vraie, mais tu ne peux pas me préparer un petit... ça le peut, juste... Oui, oui, oui. Je voulais te dire que j'ai vu des boulets oranges très appétissants au bord de l'eau. Je suis sûr que tu pourrais m'étonner un plat succulent avec un héros comme celui-ci. 3 rations devraient suffire, on est d'accord? Oui, un boulet. Des boulets vers l'eau. Oula. Calme-toi. Ah mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? C'est pas ça hein. Ah! On peut se noyer. Un belet. Qu'est-ce que ce bordel? Ah, n'allez pas dans l'eau les enfants. Hein. Mais si je vais... Attendez. En fait c'est simple. Je vais voir comment on construit le blé. C'est Inox. Je ne sais pas du tout. Je ne crois pas apparemment. Brochette de champignons. Ah bah oui mais si moi si... Je vais pas m'énerver mais bon. Ah je peux faire un œuf au plat. Tiens. Ah non, c'est pas lui. Tu ne sais pas nager. Ah, je dis pas. Je dis pas, la barbe. Tiens. Un friche. Il a dit quoi? Je suis un fin gourmet. Je me satisfais que de mets les plus raffinés. Mouahaha. Je suis sûr que tu ne pourras trouver une palanquée de délicieux boulets au bord de l'eau. Et une fois, quand tu auras suffisamment rôti un machin, il donne en moi 3. Attends, bouge pas. Je vais te faire des bolets. Ça va, je suis pas sûr. J'ai lu un frichti. Bah oui, c'est un champignon, et alors? Qu'est-ce que t'as, vous êtes crado? Une sorte de cop. Bah je sais pas, mais c'est une... Enfin, c'est une démo, donc peut-être que, hein, on ne sait pas. Mais d'après d'après ce que m'a dit New, bah voilà, il te l'a dit, en fait. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être que la version PS4 amènera de nouvelles choses. Ah tiens, les boulets. Ouais, je sais, mais moi, pour moi, un frichti... voilà. Mélodie de senteur alléchante, pour ma bedaine affamée, je vais m'en faire qu'une bouchée. Donnez-moi vite, vite, vite. Oui. Miam, 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 c'est délicieux, on devrait te remettre le cuisinier, moi, haha.
De nombreux sujets sont abordés dans les chroniques de Cantelin, les chapitres consacrés à la préparation de repas sains et consistants sont plus particulièrement... Pardon, tu veux les lire, toi, les chroniques de Cantelin, t'es tes propres yeux, je suis désolé, sapin, monsieur Grimard est un objet inestimable que les que l'on se transmet de père en fils depuis des générations, je ne peux tout simplement pas le confier à le premier venu. Dès que cet ouvrage est rédigé dans un dialecte énigmatique et très ancien, je ne connais personne capable de le déchiffrer, ok, je ne l'arrêterai, on s'en fout, ne t'inquiète pas, garderai le secret pour moi, chaque nouvelle avancée, là, ok, ça va, si tu veux. Parce qu'il est belay, ça me paraît logique, puisque tu es un fruit. Voilà. Son PS4 est déjà sorti depuis 8 mois au Japon, donc c'est mort. Ok. Et bah peut-être qu'ils préfèrent l'Occident et qu'ils vont nous faire des trucs stylés. Oh là là. Oui, vous avez sûrement raison. Et moi déjà que la douane m'a mis la carotte de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, New? Comme terme, mais ne sois pas si guindé. Non, mais Strife, est-ce que tu as une barbe? Non, parce que si tu n'as pas de barbe, je ne vois même pas pourquoi tu m'adresses. Tu m'adresses un seul mot sur ce chat. C'est vrai que tu es la première fois. Je ferai les chroniques de Cantelin et tes envoies de longue haleine. Ok, pendant. Tu peux augmenter le niveau en construisant un. Prends cependant garde à ne pas placer d'éléments de décoration à plus de 2 blocs de hauteur car ces objets ne seraient pas comptabilisés dans ton total de points. Va, mon enfant, remplis ta ville de bâtiments de tes bâtiments. Tu m'écoutes, tu as une idée de ce qu'on pourrait utiliser pour décorer les nouvelles pièces que tu vas construire. On construit d'abord sur le niveau 2, une jarre. Ok. J'ai même une foreuse. Quoi les pièces en ajoutant des points. Ok. Ok. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Oui, Nada, je veux pas te parler à toi. Ah, je lis pas. J'ai pas lu. Alors. Voilà. Voilà. On va mettre des jarres. Je vais mettre une jarre là. Hop. Hop. Hop là. Il est 56, il va bientôt falloir arrêter. Bonne nuit, Ah, plutôt bonsoir. Ah, tu passes un coup de vent. Bah, bonsoir et bonne nuit, Quentin. Des bisous. Merci d'être passé. Très gentil de ta part. Hop. Allez, avant de quitter, on va passer au niveau 2. Peut-être que d'ailleurs la démo s'arrêtera là. Je ne sais pas. En tout cas, elle dure un petit moment. Hein. Tu peux bien te faire ton avis. Hein. Alors, attendez. Il fallait des gluants, c'est ça? Taper des gluants. Et j'ai faim. Mais je peux manger ça. Oui, 20%. Vite les gluants. Oui, tu l'as pris en démat, oui. Ah, vous voyez comme quoi le démat, hein, ça sert à quelque chose. Et oui. Oui, la 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 la. Tu as la faim, il te reste une mission à faire. Ah bah je vais finir alors. Je vais finir, comme ça je pourrais faire une VOD propre. Vivi. Hop. Hop, là on est pas mal. Qu'est-ce qui me manque? Ah, quoi qu'il me manque un petit peu encore. Tu vas l'acheter des one. Je sais pas. J'ai toujours besoin de digérer un peu. J'ai besoin de plutôt.
va dire 2-3 jours pour digérer. Parce que si je donne mon avis tout de suite, comme j'ai passé un moment, on va dire, plutôt agréable, je vais dire, ouais, c'est génial, je vais acheter. Mais je préfère me retenir et backdasher. Hop. Ah, il me manque pas beaucoup, hein. Ok, bon bah en fait j'en ai placé 3 et c'était fini. Vite! Mais j'ai l'impression que t'es pas vain en agrandissant. Ça part mon enfant, quel que soit le nombre des monstres que tu as vain, que tu vins, tu ne deviendras jamais plus fort. Quoi tu... Quoi? Tu m'en dis un dos se permettront, tu es bâtisseur et que tu... C'est un moment de devoir te dire ça, mais je n'ai toujours pas déchiffré les chroniques de Cantelin. Je dois te reconnaître qu'il me faudra du temps avant que, par mes oreilles sensibles, tu as entendu. Ok. Ça fait déjà une heure et demie qu'on s'amuse. Le fun. Je vous le dis, le fun. J'ai un horrible pressentiment, je ne sais pas, je suis appliqué, mais les monstres comptent attaquer notre belle cité. Il faut à tout prix protéger Cantelin, soit pas, on doit préparer nos défenses en vue. Crains, je combattrai à tes côtés, on perd mon devoir en protégeant la chère Ève et... Oh, c'est beau. Il y aurait été, enfin, les monstres sanguinaires. Les monstres sanguinaires qui peuplent cette région, ils ont un sourire comme ça. Salut Daft. C'est quoi, carte? Dire par ici, cette avant la séance, on doit... Ok... Une toile d'une massue. Ouais, t'inquiète. Je suis prêt. C'est juste la première véritable bataille, ça part, mais les craintes. Mais oui. Ouah, mais sérieux? Que le combat commence. Ouah! Ah ouais, d'accord, il rigole pas. D'accord. En fait, j'aurais peut-être pas dû... Vite, aide-moi! Hit and run. Hit and run. Ah! Le chef des mondes vient d'apparaître. Ok. 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 Hop là! Easy. Mouahaha. Oh, mais easy! Oh, c'est stylé! Oui, la démo est dispo sur le PSN. Bah bon, enfant, tu as sauvé Cantelin de la farouche progression des monstres. À mesure de l'espoir, que l'espoir renaît dans le cœur des habitants, ton étendard de l'espoir grandit et baigne la terre d'une lumière toujours plus douce et plus chaude. Mais l'emplacement de ta base semble désormais connu des villes vassaux de le dragon. Monstre crâne de perdre leur suprématie de ces terres, c'est bien sûr. Bien la force, il ne fait aucun doute que ces créatures lanceront sous peu de nouvelles attaques pour tenter de renverser ce symbole d'espoir. Tu dois protéger cet endroit, quoi qu'il en coûte. Quelle soit la brutalité de l'écologie, que... Ok. Stylé. C'est cool les assauts comme c'est fait. D'ailleurs, quand tu prends quoi quand c'est cette tâche que je te confie? Dire juste qu'on sait fabriquer des choses et non combattre des monstres. Cet instant précis, cela est encore possible, mais à mesure que tu feras connaissance à davantage de personnes, ici tu comprendras qu'un grand pouvoir entame de grandes responsabilités. J'ai fait ce qui était mon pouvoir pour cette terre plongée dans l'ignorance. C'est à toi qu'incombe le reste, mon enfant. Travaille avec tes nouveaux amis pour rendre la ville de Cantelin ça. Oui. La ville de Cantelin, sa grandeur passée. Je dois te quitter pour le moment. Je sais que nous nous retrouverons lorsque ta mission ici sera achevée. D'ici là, sache que je veille toujours sur toi. Oh là là. Ça.
Con Colon, je me suis dit que ça méritait d'aller voir un peu près. Imagine ma surprise quand j'ai découvert un village. Qui es-tu? Que fais-tu dans cet endroit perdu? Ça piétonne, me fait fatiguer, je me pose ici, ça donne dans le non. Vas-y, hein, je m'appelle Roche. Ou Rock. On n'a pas resté très longtemps et je suis tout de même heureux d'avoir fait ta connaissance. Non, du coup, Leriwen, je l'ai pas vu. Mais tu m'as tweeté ça? Est-ce que tu m'as tweeté un truc? Ou alors est-ce que tu m'as envoyé quelque chose? Parce que j'ai pas vu. Bravo, tu as montré les gravures que les voies tu chauffes. Malheureusement, je crois que ces sales bêtes ont découvert notre modeste camp. On ne sait pas quand ils attaqueront la prochaine fois. Il faut trouver un moyen de se protéger. En fait, j'ai remarqué que tu avais mis la main sur un drôle de fragment de pierre après le combat. J'ai vu un artefact qui ressemblait à ça. Ici sur le chan, bah j'ai pas vu. J'ai pas vu, désolé. Bah remets-le moi si tu peux. Quand t'as mon esprit curieux, pétillant. Pourquoi on a deux faux on a des faux Dragon Quest en FR. Des faux. Mon esprit curieux, pétillant m'a poussé à chercher un peu plus. Bah à la limite, c'est quoi, t'embêtes pas les Ruins, m'envoie un envoie-moi un tweet. Comme ça je pourrais le lire à tête reposée, s'il te plaît. Un fragment de putain, un téléportail. Il suffit de poser par terre et hop, un rayon t'emmènera droit à un endroit où tu pourras trouver tout ce que ton cœur. Oula. Si vous attendez fabriquer une machine comme celle-là, devrait être du gâteau. Oui. Téléportail. Ok. Comment tu répares? Pas de la terre. Hop. Voilà. Par mes yeux de biche, tu as réussi. Tu avais regardé un téléportail. Maintenant, tu peux te rendre dans des mondes mystérieux et distants et en revenir. Dans ces contrées inexplorées et intrigantes, tu trouveras sûrement des matériaux inconnus et intéressants. Puis t'en servir à fabriquer des objets étranges et innovants. Fais vite, pose ce téléportail seul et découvre la destination exotique où il te mènera. C'est dire que de jouer à un jeu de course, c'est beauf. Ah, oh, je ne vous comprends plus. Avant que tu ne partes, je voudrais te demander quelque chose. Dans ta réponse, dépend de l'avenir de cette vie, de son expansion. Une fois que ce téléportail fonctionnera, je t'en prie, viens me voir avant de t'en servir. Ok. D'accord. Ouah! Ouais, c'est pas un... C'est pas un... Ouah, il y a un monstre là. Oh là, oh, oh. Calme-toi bien. Ah! Ah, c'est bon, j'ai cassé un mur. Calmez-vous. Donc, oui. Le portail. Je sais pas, moi, on va le poser... Je sais pas. Tiens, je ferais peut-être une maison, non? On va le poser là. Hop. Tu aimes les culs. Ah, il faut aller lui parler d'abord. Ouah, ils font dodo. Par mon physique d'athlète, le téléportail est activé. Cette une seule lumière tourbillante est une hypnotisante. Un peu un bruit de sorte, ça indique qu'un chemin... Je l'ai réveillé pour ça. Hein. Sapin, mon ami, j'aimerais te demander une chose avant que tu ne franchisses le lion étincelant. Je te demande de trouver le moyen de fabriquer un outil extrêmement puissant, le maillet. D'accord, le maillet géant. Hein. Le maillet géant comme un marteau redoutable, assez puissant pour plusieurs d'énormes rocs. Ah, bah, tu découvriras forcément un nombre incalculable de nouveaux matériaux, quel que soit. Ok. Ces nouvelles méthodes donneront des idées pour créer de nouveaux objets. Ok. Monstres connus sous le nom de Marteleur ne séparent jamais de leur maillet géant. Je suis sûr qu'il pourrait t'expliquer comment en fabriquer un. Je connaîtrai la recette, ne perds pas de temps, par exemple, viens me le montrer. Oui. Je passe là-dedans. Ouah!
C'était avant. Ok, donc en fait... Attendez. Ah. D'accord. Et du coup, je peux pas. Donc c'est là... Wow. Oh, mais ils sont... What? Bah voilà. J'avais dit qu'il fallait faire... Non mais on peut pas se battre. Oh, je dois casser. Alors attendez. T'es devant moi. Donc là c'est fini hein. Du coup on peut voilà, c'est la fin. Hop. Bon bah voilà. Je réessaye pour voir. Ok. À un certain moment, à force de dormir, il y a une cinématique. T'as eu une cinématique, d'accord. Okay. Bon. Du coup, on va quand même s'arrêter là. On a été assez loin. En tout cas, pour découvrir presque toute la démo, parce qu'il semblerait qu'il y a quelques petits... après, tu as des trucs cachés dans la map, les gros boss, ok. Si ça vous intéresse... Si la démo vous intéresse, j'en suis sûr, avec ce que vous avez vu, que vous pourrez y jouer. Il est 23h10 et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, vous dire bonne nuit. Je vais directement faire la VOD, comme ça elle sera disponible dès demain. Voilà. Demain, on continue BioShock Infinite à partir de 11h30 normalement, peut-être voire même 11h. Je ferai un petit tweet pour vous expliquer, pour vous donner l'heure. De là, je vais regarder qu'est-ce qui stream maintenant. C'est important. Qu'est-ce qui? Oh là là, il y a tellement du people. Oh, il y a tellement du people. Je vous encourage à aller voir le Team Gaming Live. Il y a marqué Gaming Live normalement en haut. Que je stream on Team Gaming Live. En haut de l'écran Twitch. N'hésitez pas à cliquer pour voir toutes les personnes qui stream en ce moment. Je ne vais pas host ma chaîne. Je remercie encore Atitavion s'il est encore là de m'avoir host la chaîne. Et je vous dis à demain. Allez, des bisous. Bonne nuit. Qu'est-ce qui? Bonne nuit. Qu'est-ce qui? Des bisous.